Amis, vous l'aurez compris, hein, on vous emmène au marché de Noël à Strasbourg. Le plus vieux marché de Noël en France et le plus joli. Hein. Je suis pas chauvin. Bon Bertrand, qu'est-ce que tu penses de la sécurité du marché de Noël? Bon bah, comment vous dire que... Ce matin j'étais aux champignons, et j'ai oublié de sortir mon couteau à champignons, bah je suis rentré sans problème. Hein. Ouais, là niveau sécurité, ouais. Ils ont fait beaucoup de pubs sur le fait que la sécurité avait été renforcée, et en fin de compte... C'est vraiment pas rassurant. On rentre un peu vraiment comme on veut, parce qu'il n'y a pas eu du tout de palpation au corps, et on aurait pu mettre ce qu'on voulait sous le manteau et... Non, pas moi. Moi sous le manteau j'ai ouvert. Ah, moi j'ai mais pas eu besoin d'ouvrir. J'ai rien sorti ce que j'avais dans les poches. Voilà, allez, on continue. Dum dum.
5 euros. Tu recherchais, bon, la FBI et tout, arrête. FBI, c'est IA. KGB aussi, non? Oh bah, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Au marché de Noël. Très rapide. Très rapide, hein. On connaît, nous on est sur place, on pourra revenir. Armez-vous de patience, hein, parce qu'il y a des points stop de contrôle sécurité où en fait on rentre des couteaux, hein, sans problème. Mais on attend. Voilà, donc nous on est arrivé assez tôt, on est passé par un autre accès. Là c'est accès par la place de la République et l'Opéra. Donc. Accès principal. Il y a du monde, il y a du monde. Je voudrais pas faire la queue, honnêtement. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis une prochaine vidéo. Allez, à plus. Bon, faut quand même que je vous montre pourquoi est-ce qu'on va au marché de Noël si souvent. C'est pour ça. Le Saint Graal, les pommes au chocolat. Ah voilà, ça y est, j'ai enfin la mise au point. Voilà, donc mon Bertrand, il est tout content. Il a 8 ou 10 pommes au chocolat, ça va lui faire la semaine. Et voilà, bon appétit si vous êtes à table.